Lancement officiel à Oumhadjer de la campagne de masse sur le mariage précoce, campagne animée par les 100 pères éducateurs qui ont bénéficié d'une formation sur la scolarisation des filles et la lutte contre le mariage précoce. Ils ont expliqué tour à tour les causes et conséquences des mariages précoces. Mohamed Oumar Moursal. Campagne de masse initiée par la Fondation Grand Cœur a pour objectif de sensibiliser et d'informer la population d'Oumhadjer sur les conséquences du mariage précoce et la promotion de la scolarisation des filles ainsi que les conséquences de l'alcool et de tramol. Au cours de cette cérémonie, les pères éducateurs venant des 3 départements du Bata ont montré au public leurs connaissances qu'ils ont apprises pendant 3 jours de formation. La bénéficiaire de cette formation, Soumeya Abdelkerim Mahamat, s'est entretenue avec le public sur des questions liées à la scolarisation des filles et la propriété corporelle des filles. Pour elle, la fille joue un rôle primordial dans la société. Le maire de la ville d'Oumhadjer salue et loue cette initiative humanitaire de la Fondation Grand Cœur qui dirige la première dame, Inda Debi Itno. Vous avez acquis des connaissances relatives aux différents thèmes que vous avez débattus. Et je suis convaincu que ce thème, vous allez le transmettre fidèlement comme message dans vos zones respectives afin de prendre en charge la scolarisation et le maintien de la vie à l'école. Pour lui, le mariage précoce est l'une des premières causes de la mortalité maternelle, infantile et néonatale au Tchad. Et puis l'association d'appui aux initiatives de développement rural vole au secours des producteurs de la zone de Chadara. Les responsables de cette association ont remis des kits à ces producteurs de la localité située dans le Bahr el Ghazal, Ahmad Daladou. L'association d'appui aux initiatives de développement rural AIDER, en partenariat avec Oxfam, dans le cadre du projet Transform, a distribué quelques matériels agricoles aux productrices et producteurs de la sous-préfecture de Chadra. Ces kits sont composés essentiellement des motopompes, brouettes, arrosoirs, pelles, pioches. M. Mohamed Fadoul Hassan, coordinateur de l'AIDER, a défini l'objectif du projet qui est de contribuer à la stabilité de la bande sahélienne du Tchad. Ici pour la ville de Chadra, nous avons des sites. Et à part les matériels que vous voyez ici, il y a d'autres activités que nous allons faire relatives à la production maraîchère, à savoir la formation, le forage. Et les forages seront équipés avec des motopompes, seront clôturés avec des grillages. Le préfet du département de Bahr el Ghazal Ouest, Ali Gamar Selek, a salué les partenaires techniques et financiers pour cet appui, comme des fois important pour les producteurs. Si en long qu'au total, 15 groupements de Chadra et Michemiri bénéficient de ces matériels agricoles et des semences qui ont une valeur de 38 millions de francs CFA financés par l'Union européenne à travers le projet Transform. Amdiaras a abrité un forum sur la justice au Tchad. Il s'agit d'éclairer les auxiliaires de la justice sur la procédure légale et acceptable par la justice. Luc Azina Danjai. Cette rencontre regroupant les professionnels des institutions judiciaires, les auxiliaires de la justice ainsi que les autorités traditionnelles, civiles et militaires fait suite aux nombreux cas de violation des droits des libertés fondamentales par les auxiliaires de la justice. Aujourd'hui, vous savez que nous avons les sous-préfets, les commandants de brigade qui agissent contre le code de procédure pénale. Il faudrait multiplier ces genres de rencontres pour que les gens prennent conscience du danger. Le respect de la procédure judiciaire, les problèmes de détention prolongés dans les brigades et les paiements d'amendes arbitraires étaient abordés au cours de ce forum. Le secrétaire général de la région de l'Enedi Est, Map Mara, s'est félicité de la tenue de ce forum qui a éclairé les autorités sur les droits légaux acceptables par la justice. Une rencontre sur la paix et la cohabitation pacifique a été organisée à Massénia dans le Chari Baguirmi. C'était en présence du sultan du Baguirmi, Bangadji Mohamed Youssouf. Mohamed Souleymane. La cour royale de Massénia vit sur le rythme de la paix et de la cohabitation pacifique. À travers cette rencontre,
Sa Majesté le Sultan de Bagirmi, Ban Hadi Wali Mohamed Youssouf, prend la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs. Il en fait son credo. Assis sur son trône, le Sultan de Bagirmi reçoit tous les honneurs de sa communauté. Les chefs de village se sont relayés pour saluer l'initiative. Ils s'engagent à accompagner le Sultan dans le processus de paix afin de trouver des solutions aux conflits agriculteurs-éleveurs. Pour Sa Majesté le Sultan de Bagirmi, la paix est indispensable pour tout développement. Faisant une pierre deux coups, le Sultan de Bagirmi a procédé à l'installation de l'un des 9 dignitaires garants des us et coutumes de la dite communauté. Il s'agit de Baba Moussa qui succède à Sharfadin Hamza décédé. Le royaume de Bagirmi est à son 28e sultan depuis sa création en 513.